Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo et ce soir au milieu du soir un défi de taille. Oui, un gros défi. Je me rends chez Ibra TV dans son restaurant le Black and White Burger en collaboration avec Jam. Ça fait très longtemps que j'ai pas été. Honnêtement, je suis allé en janvier à l'ouverture parce qu'il y avait eu un buzz pas possible pour le restaurant, l'ouverture. Il y avait là les youtubeurs, instagrammeurs, snapchatteurs, influenceurs, ce que vous voulez. Et à cette époque, en janvier, c'est une des vidéos qui a le mieux marché. D'ailleurs, je tenais à vous remercier par rapport à ça. Si c'est pas encore le cas, mettez-moi un petit pouce bleu dès maintenant parce que là j'y retourne. Et cette fois, on va pas faire un défi genre burger à 10 steaks plus 3 petits burgers comme j'ai fait en janvier. Je vais faire le défi qu'avait fait Ibra TV justement en prank à des clients à lui dans son restaurant. 5-6 jours après mon passage, en fait, il a fait un burger énorme, mais vraiment énorme, gigantesque. Même moi, je sais pas si je le finis pour vous dire. Et il l'a mis sur YouTube. Chaîne Ibra Plus, je vous mets ça en barre ici, hein, en haut à droite, vous verrez le lien. Un burger énorme. Et moi ça m'a choqué. Je suis wow, dommage qu'il l'a pas fait avant que je passe. Et là depuis peu, j'ai plein d'abonnés qui me disent d'y retourner plus pour ça en fait. Pour faire ce gros burger. J'ai un peu traîné, j'étais pas chaud, là je suis entre guillemets en diète. Entre guillemets, hein. J'essaie de manger proprement à la maison et tout. Et on voit, je commence à être sec. Pectoraux, machin et tout, etc. J'évite les cheats. Mais bon, c'est chaud, c'est les vacances, hein, donc on essaie de faire attention. Mais bon, on s'en fout, on bégaye pas. La bouffe avant tout, plaisir avant tout, comme je dis tout le temps. Food challenge. La preuve, j'ai un t-shirt avec qui je collabore, c'est la marque Microplayer, qui peut allier aussi à la fois la muscu, le sport et la bonne bouffe. Je vous montre un peu le logo, vous allez kiffer. Matez-moi ça. Choose your life. Choisis ta vie. Avec un petit poids là, enfin un gros poids dans une glace, stylé. Vous avez aussi par exemple les haltères en mode donut. Et comme je vous avais dit dans le passé, moi j'étais chaud pour créer une marque de vêtements. Avec mon logo, ma marque et un truc un peu similaire en fait. Pas pareil, mais similaire. Un peu drôle en alliant le sport et la bonne bouffe, comme je suis actuellement. Les food challenge, les défis et le sport à fond. Donc voilà, donc ça aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos de la marque Microplayer. Tu parles trop, ceux qui connaissent, c'est leur slogan. Franchement, du très lourd, la bonne cam. En parlant de produits, tant qu'à faire, avant de commencer vraiment le challenge. La Châtelet. Voici des écouteurs que j'ai reçus récemment. Donc c'est une société qui est française, donc Made in France, Clim, je sais pas si vous connaissez, une sorte de boîte française qui fait que des produits en mode périphérique pour PC, high-tech, technologie. Ils m'ont envoyé ça, j'ai testé, c'est des écouteurs Bluetooth, vous voyez, il n'y a pas de câble et tout. Vous avez aussi des filières, hein, mais celui-là c'est Bluetooth, et franchement j'ai testé, le son il est incroyable. Pour le prix que ça vaut, 29,90€, donc moins de 30€. Au lieu de 50 à l'époque, vous avez une qualité audio imbattable à ce prix-là. Franchement, c'est lourd. J'ai testé mes séances de sport et tout, muscu, énervé. Après, ce qui est bien, c'est que déjà c'est garanti 2 ans. Donc, s'il y a un problème, vous le renvoyez. Pas de galère. Vous avez des écouteurs aimantés. Vous voyez, ils sont accrochés là. Ils s'aimantent. Sympa. Après, les embouts, ils sont en mousse, comme on voit, à mémoire de forme. Vous avez différentes tailles, hein, donc c'est important. C'est confortable. Pour ceux qui doutent de ça, justement, c'est très confortable. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est isolant par rapport au bruit extérieur. Tout ce qui est son extérieur, bruit extérieur, vous n'entendez rien. C'est que le son que vous entendez, que la musique. Enfin, la musique ou autre, hein, c'est pas ce que vous écoutez. Après, c'est compatible avec tous les téléphones, hein, qui ont le truc Bluetooth. Genre Android, smartphone, Apple, ce que vous voulez. Tant qu'il y a Bluetooth, ça marche. Après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est bien chargé, en pleine charge, vous avez 6 heures de batterie pour une écoute sans interruption. Donc c'est plutôt cool, comme ça il n'y a pas besoin de recharger toutes les 2-3 heures. Voilà quoi, c'est un peu compliqué sinon. Et pour finir, vous avez 12 embouts, comme ceci là. Donc des gros embouts, des petits, des moyens, ça dépend de votre oreille, votre lobe et tout. Donc 12 embouts de toute taille et de tout matériau. Soit du silicone, de la mousse, ça dépend de ce que vous préférez comme confort. Donc voilà. Donc je mettrai en barre d'infos un petit lien qui vous redirigera sur la boutique Amazon de Clim, donc une boutique française. Vous avez différents produits high-tech et périphériques PC, notamment ceux-ci, les écouteurs Clim. Et à partir de la vidéo, dès qu'elle sortira, donc le jour où elle sortira, vous avez 3 jours exactement, et pas un jour de plus, donc vraiment 3 jours, pour avoir un code promo de moins 5% sur l'ensemble de la boutique. Pas que les écouteurs, mais toute la boutique. Donc à vous de voir, faites-vous plaisir. C'est servi comme ça, hein, enfin c'est arrivé comme ça plutôt. Dans une boîte, la notice, différents écouteurs sont dedans, les embouts, stylé. Donc franchement, foncez, ça vaut le coup. Bon, maintenant, cesse de parler. Direction la voiture pour aller au Black & White Burger au 31 rue Saint-Denis à Paris 1er. Défi, le Giga Burger Monster.
Apparemment, il l'appelle comme ça, le Monster. Le Black and White Burger Monster. Franchement, comme je dis, on bégaye pas. Mais, vu comme il est balèze, je connais un peu le caractère coquin de Jam et de Ibra, ainsi que du responsable du restaurant. Je pense qu'ils vont essayer de m'avoir. Après, ben, plaisir avant tout, on va pas se forcer, hein. Bon, allez, direction le Black and White Burger. C'est parti. Bon, ça y est les amis, enfin, enfin arrivé, enfin garé, au bout de 45 minutes quand même, c'était long. En même temps, ça se comprend, on est un samedi, on est les seuls et tout à Paris, c'est Châtelet, c'est vivant comme quartier, et pour se garer, c'est impossible quasiment. Et on est 14 juillet, donc il est 14 juillet, il y a feu d'artifice, tout ça et tout. Forcément, il y a plus de monde que d'habitude. Donc, pour le sol, samedi, week-end, 14 juillet, demain, finale Coupe du Monde, j'espère que les Bleus vont gagner. On verra bien. Au moment où la vidéo sortira, forcément vous saurez qui a gagné entre les Bleus et la Croatie. J'espère que la France aura gagné, hein. Ce serait cool. Et puis bah là, bah, direction le Black and White Burger, au 31 rue Saint-Denis à Paris 1er arrondissement. Là je suis au calme pour l'instant, au calme, avant de traverser le Forum des Halles et la foule. Bon là j'aboie d'ici. Ça va être bruyant en cours. Bon. Direction le Black and White Burger, défi Burger Monster, vais-je réussir? Ça va être chaud. Bon allez go. What's up? I can tell how you're moving at your next up. Mess around with the boy and get the best love. I'm ready for round two while you rest up. Yes, sir. And your body on bless up. Bless up. I'm the one you say your best for. But guess what? I just love when you get dressed up. Cause later on I'll be crushing with that dress up. And that thing gon' drip, drip. Plus a head game on sip, sip. When other niggas come and try to holler at her, her attitude always on misfit. Good. Cause her body on good guard. Good guard. Risen Lord, there's a good guard. I hallelujah when her clothes get took off. I show her off like a medal, like look y'all. Alors le restaurant il est blindé. Il y a un bois pas possible. Je vais pas pouvoir trop parler, c'est un défi pur et dur parce que là le monde qui est en plein rush, il est 8h30, c'est plein rush donc là pas de place, on va attendre un petit peu. Mais vous allez pour ça d'ailleurs, mais c'est compliqué là, c'est vraiment pas le bon moment. Samedi soir, plein rush, on va faire au mieux. Du coup, bah pour filmer, c'est un peu galère, je vais essayer de faire le maximum, franchement, maximum. Bon, c'est arrivé et regardez-moi ça. Vous croyez quoi comme ça? Vous croyez qu'il est petit ou quoi? Non, il est pas petit, regarde-moi vraiment. J'ai un truc, mais c'est impossible. Lui d'avance, je finirai pas. Je vais pas en mettre pour ça, parce que le pain il est archi dur. Vous vous rendez pas compte, le pain il est tout dur. Confirmé, mais il est épais, il est dur. Apparemment, la recette c'est le black cherry, le tout nouveau là, avec la cerise, tout ça, le cheddar qui coule, il y a plein de steak haché énorme. Sauce tartare cerise, oh, le pain il est énorme. Mais... Oh, t'es sûr? Je mange ça, moi. Il y a deux couches. Il y a deux couches, hein. Il y a deux couches, la viande est bonne, regarde. En plus, je dis, ouais, pas trop gros, hein. Tu parles, il m'a tout mis, le pain, toute la viande, il y a chacun un steak. Big Mac, hein. Tu peux même pas le peser, tranquille, gros. C'est le plus grand, il pèse. C'est le peser, il a fait un Big Mac géant, en fait. Oh, sa mère. Il tremble carrément le bateau, il se plie en deux. Eh, mais c'est un ouf. Mais je finirai pas plus vite parce que le pain, il est énorme. C'est quoi, 3 kilos de pain. Il est bon le pain, il pèse, hein. On n'est pas content de le voir en vidéo, mais franchement je vous le dis, c'est forcément, enfin, c'est surtout l'un des plus gros défis que j'ai pu faire et je vous le dis, je ne finirai pas celui-là. Il y a trop de pain, ça va mieux curer. La viande à la limite ouais, mais le pain non. Pour vous dire un taux de cuisine, regardez. À côté, pareil petit. Enfin, toute cantine quoi, mais c'est impossible. Bon on va essayer de faire un maximum quoi. Bon là je l'ai ouvert en deux, vous voyez un peu. Deux couches comme ça, deux étages. Clairement, le pain l'a mis, il a collé à la viande, le cheddar. Moi, c'est du pain maison, ça se voit. Au charbon végétal. Faisant plus digeste, mais bon, la digestion là, ça va être chaud. Et la viande et tout. Le cheddar et tout, le PC. Ouais, c'est le pain qui est plus gratif. Il est épais, il est dur en fait. Il est dense, il est dur. Il est croustillant autour et dedans, il est compact. Bon, je vous cache pas que je vais pas réussir à trouver, ça va être chaud. Enfin, allez au moins jusqu'à la fin des vidéos pour voir si je finis ou pas, mais je vais essayer de manger un maximum, toute la viande, mais le pain ça va être chaud. And that thing gon' drip, drip. Plus a head game on sip, sip. When other niggas come and try to hide. Franchement, mon burger il est énorme. Ah mince, c'est pas bien celui-là. Le mien est là. Là, c'est un burger normal.
Apparemment, c'est une nouvelle recette. C'est le Françoise, pardon. Françoise. Ok. Il y avait l'air pas mal du coup. Bah, c'est au moins presque 20 dans le comme ça. Il y a un steak, ouais, là, je sais pas combien. J'ai compté, mais le pain, il... oh, c'est le pain qui fait peur. Le pain est trop dense, trop dur. Il n'y a pas le pain. Bon, c'est parti. J'ai dit qu'il allait venir pour couper le burger. Je veux dire qu'on prend rien avec les gens. That you ever answer that for me, you never front, but you throw it back for me. I got you yelling for God, girl, that's blast. Donc voilà l'intérieur. Vous voyez un peu l'épaisseur du pain, comme je vous disais, l'épaisseur elle est énorme. Il y a bien les deux couches de viande, avec cheddar, la sauce chéri. Il y a un peu de salade apparemment. Sauce cerise, ça va être stylé, je pense, être marrant, très salé. Il est mort leur cheddar, il est à la fois fondant et un peu cru en fait. Peut-être qu'il a fini, je sais pas. J'aurais peut-être plus d'explications quand il n'y aura pas le rush, enfin moins de rush, c'est-à-dire moins de monde. Incroyable. Bah, je te vois jamais là. Didier, explique-nous le produit, même recette. Bah, comme c'est l'été, Black and White, il a voulu proposer des saveurs plus rafraîchissantes pour le Spruce Day. Du coup, on a pensé à un bel mélange entre la cerise et notre viande qui est Black Angus. Ouais. Du coup, on a fait notre sauce aux cerises. Ouais. Dans cette burger, il y a sauce parmesan, la salade, iceberg. Il y a 150 grammes. Ici, il n'y a pas 150 grammes. Il y a beaucoup plus que 250 grammes de sauce. Ouais. Après, on utilise notre sauce secrète aux cerises. Okay. Et du coup, tout ça, on mélange avec le pain noir, avec du charbon et du élastique. C'est plus un pain, hein, c'est un parfum, un truc. C'est pas être rabot, ça. Ouais, mais est-ce que tu sens qu'il est moelleux? Oui, il est moelleux, mais c'est dense, quoi. Il est pas mangeable, en fait. Bah oui, là, c'est mangeable. C'est mangeable. Ça, t'as des goûts. Je vais essayer. En tout cas, bah, c'est appétissant, mais c'est dur à finir. Ouais. Je sais pas, je pourrais trop le penser. Non, mais comme ça, ce serait... Est-ce que tu as déjà perdu ou quoi? Ouais. Ouais. À Bagnolet, j'ai pas de 1m42. T'as perdu? Non, mais c'est... J'ai les 8 premières. Dans le burger. Dans le burger? Non, en burger, non. C'est bien. Ah, bah, je crois que... Même si Bagnolet, il a pas perdu. On va voir. Fais-toi un défi, c'est sûr. Je vais faire le maximum que je peux. En prenant du plaisir, je vais me régaler et après si on est marre, bah on y est. Mais tu en t'en penses pas par rapport au mélange? Est-ce que c'est très sympa? Vous savez, j'aime bien. De base, miel moutarde, tout ce qui est un peu sucré en hamburger, ça j'aime bien. La cerise, pourquoi pas, on va goûter. On va bien voir, c'est un peu rose là. Je pense qu'on va bien à la caméra. Sauce rose sur le steak, le pain et tout. J'ai goûté ça. Et ouais. Je pense que ça va être bien. Bon appétit. Merci. C'est un ouf. En gros, il voulait que j'échoue. Son but ultime, c'est pas que j'ai de manger, c'est que j'échoue en fait. Et t'as pas de défaite en burger. Tiens, on en a une. Moi, je mange ça. Merci. Bah, je mange que du pain du coup. Black Angus. Bon, je sais qu'il y a eu une polémique en février-mars. Tout est réglé. On fait travail d'aménagement et tout. En cuisine, c'est carré, c'est clean. Donc maintenant, on arrête de parler de ça. Franchement, moi, le goût est nickel. La viande, quoi. C'est pas vu que moi, je l'ai déjà. Là, on sent la cerise. Franchement, on sent la sauce. D'ailleurs, peut-être pour ça que le fromage il est un peu comme ça, là, mi-cuit. Je pense à cause de la confit de cerise là. Ah, c'est bon. Après, faut aimer, c'est sucré salé. Ah, lui, il n'y a plus de burger, c'est fini. C'est fini. C'est mini. T'avais vu. T'as fait le pain, non? Tu veux du pain?
Si je mange la moitié, ça neuf quoi. Ouais. La moitié déjà, je sais pas si je peux faire. Dressed up, cause later on I'll be crashing with that dress up. And that thing gon' drip, drip. Plus a head game on sip, sip. When other niggas come and try to holler at her, her attitude always on misfit. Good, cause her body on good guard, praise the Lord, there's a good guard. A hallelujah when her clothes get took off. I show her off like a medal, like, look y'all. I know you new to it, but you rockin' with a king, girl, get used to it, yeah. Saying you a freak, a leak, right? I wanna see if there's some truth to it. I'ma make you run away from it. You run away, but you never stay away from it. If you can talk, I wonder what you would say to it. And every time you hear, you underlay to it, for real. Sometimes I get this thought in my mind. I need to know if it's facts. On est bon? Ouais. Il est bon, mais il est dense. Throw it back for me. I got you yelling for God, girl, that's blasphemy. You told your girls how good it was, now they harassing me. Yikes, that's a mistake, for Pete's sake. On a diet, but eat you on my cheat day. Love's a game and you play one. Instant replay, after instant replay, after instant replay. I like. Précision par rapport à la viande, si tu voulais savoir. Là, ici, Black & White Burger, vous avez de la viande fraîche, Black Angus et Halal. Comme ça, il n'y a pas de encore loup. C'est vraiment la viande de qualité quoi. Donc il n'y aura pas de problème. La facture et tout. Là, tout les factures on voit là sur le téléphone, la provenance, on voit bien. J'éclaire un peu, voilà. Donc, arrête sur l'image, vous verrez, mais voilà, au moins c'est certifié, c'est sûr. Voilà, si tu veux le savoir. Black Angus et Alain, voilà. Important. Is this the best sex that you ever had? I get this thought in my mind. I need. Les gars, c'est chaud pour manger. Un burger. C'est un burger. Pas normal. Ouais, c'est ce qu'ils font, mais c'est spécialement pour lui. C'est vrai? C'est son burger. Hein. tu le sens bien? Non. C'est trop. Quelle idée t'as eu? C'est lui, pas moi. C'est Jam. Ils vous ont fait ça sur non, parce qu'en fait, c'est pour lui, c'est normal. si tu veux regarder un peu ses vidéos, c'est Alan 92. Alan? Alan 92. Alan 92. Ah, je sais. Merci. Manger la moitié. Tu te sens bien vin là quoi. Là ça va, tranquille. Je pense que tu peux faire 3 quarts, facile. Si tu veux, quand tu auras terminé 3 quarts, je vais terminer 4. Je sais pas, il délourde de ouf. Tu. Moins gros. Et là, tu feras avec un bagarre normal. Pourquoi il voulait que j'échoue? Il voulait que j'échoue. Il veut rien d'échouer. Ouais, parce qu'en fait. Les vidéos, j'ai aucune défaite, rien. En fait, c'était des défis, des challenges en fait sur YouTube. Et là, il voulait vraiment lui donner un gros challenge et il a fait ce barrière-là. Donc, c'est pour lui en fait. Ah t'inquiète pas là, il dit comme quoi c'est chaud, mais t'inquiète pas, à la fin tu vas voir. Non. Il va peut-être pas terminer, mais il sera pas loin. Je peux te dire qu'il sera pas loin. Moi j'ai confiance. Quand même pas. Je suppose que t'as pas plus supplémentaire à côté. Pas bête. Avec le pain là. Ah bah. On a 3 comme ça. Ça va courir un peu. Il n'a pas encore perdu. Il y
c'est peut-être le premier défi où il va bégayer, mais... Alors, prends toi. On va essayer. Il a fait des gros défis déjà, il a fait des énormes. Si tu le finis, je m'abonne. Tu finiras pas. Oh, le finir. Bah déjà, il a trouvé 15 gigas ta cause. 15 gigas ta cause. 15 ou plus. Pour enchaîner, hein. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il a fait 10 gigas à la cause, il n'a jamais fait un jeu. Déjà, le gigas à la cause, il doit être une voie vers 17. Ah, bah, je l'attends, le 2 kilos, bah. Bon, lui, il fait plus, hein, je crois. Là, c'est plateau, mais en au cœur, il est. Bon, je le vois, déjà, avec la moitié, déjà, ça. Il a déjà presque terminé la moitié. Bon. Mais je pense que c'est du pain. C'est dur. Yeah, yeah. What's up with that? What's up? I can tell how you're moving at your next up. Mess around with the boy and get the best love. I'm ready for round two while you rest up. Yes, sir. And your body on bless up. Fess up. I'm the one you say your best for. But guess what? I just love when you get dressed up. Cause later on I'll be crushing with that dress up. And that thing gon' drip, drip. Plus a head game on sip, sip. Toujours au top. Je sais pas, il y a combien de kilos de viande. Alors le pain, le kilo. League, right? I wanna see if there's some truth to it. I'ma make you run away from it. You run away, but you never stay away from it. If you can talk, I wonder what you would say to it. And every time you hear, you underlay to it for real. Sometimes I. Hey, juste manger ça, et là je te laisse. Je te laisse ça. Ah ouais, ça tu rigolades. Mais quand tu me laisses trois burgers. Ça, je sais. Fini tranquille déjà à prendre là. Yelling for God, girl, that's blasphemy. You told your girls how good it was, now they harassing me. Yikes, that's a mistake. For Pete's sake, gonna die if it eat you on my cheat day. Love's a game and you play one, it's been replayed. Bon, honnêtement, j'en ai un peu marre. Bon, j'ai la même chose tout le temps, la même chose, la même chose, la même chose. Tout le pain là. Manger du pain, la sauce parmesan. Je suis pas fan de parmesan. Mais la cerise, c'est bon. Ça passe bien. Ça contrebalance le parmesan. Comment dire? Ouais, je passais le flambeau au poteau, le relais. Du coup, j'aurais mangé un peu plus de la moitié. Mais le reste, je pourrais aller plus loin. Comme je dis, c'est plaisir avant tout. Le 14 juillet, j'aime bien aller avec les poteaux après faire un bowling. Je vais pas être moi la boule, trop lourd et tout, faire la boule. Hein. Je vais être bien, tranquille, faire des strikes, machin. Pareil pour le feu d'artifice après. Pas être en mode, pédé, ça va être dormir. Bah, je suis bien, je vais m'arrêter là. T'as mangé un petit burger, je crois que tu l'auras faim encore. T'es pas calé. Je suis pas calé, mais je pourrais pas te finir. Je te prends un petit burger si tu veux. Regarde, je te le montrer. Donc voilà ce qui reste. Moi j'ai la moitié et là il y a un quart entier et un quart que j'ai entamé. Moi toute la viande là, les deux étages. Voilà, bah fais-toi plaisir. À ton tour maintenant, je suis filmé. On va essayer de manger une petite partie. Tu vois, c'est galère à manger. Ah ouais, tu m'étonnes. On va essayer des techniques. Tu peux le faire, allez. Grâce, c'est déjà en haut, c'est pas même que tout à l'heure. C'est vrai que ça passe assez bien. Ça passe bien. Ouais, franchement, bien. Si c'est cause, tu vois, mais. Ah, le pain il est sec, hein, forcément. C'est comme il est. Mastoc. Ouais, il est mastoc. Costaud. C'est dur en fait. Au milieu, c'est mou, ah. Il est pas trop cuit, donc c'est de la mie en fait, c'est super bon. Vraiment tout le pourtour et le dessus, c'est un peu du rail quoi. Je pense qu'ils m'ont toasté, en plus c'était un peu sec. Mais heureusement qu'il y a la sauce qui passe bien. Mais pour moi ça manque de sauce. Donc voilà, cette blanche là, on n'a pas assez réparti uniformément. En même temps, heureusement parce qu'il y a un peu écœurant ta sauce. Moi par contre je suis sur ton contraire moi. Autre sauce je trouve que la cerise est trop forte par rapport au parmesan. Justement ce que je disais, c'est que moi par exemple je l'aime pas. Mais là, je l'ai pas trop ressenti. Un petit peu. Mais ça va pas trop déranger parce que la cerise qui est vachement forte en termes de sucre, bah ça contrebalance un peu les goûts. Voilà.
Alors, va-t-il finir? Moi, je vais déjà te dire que je finirai pas. Je finirai pas. Moi aussi, au début, je me dis que je finirai pas. C'est impossible. Impossible. Il m'a dit déjà, maman, c'est pour 12 4. Personnes. Il y a peut-être moyen que je finisse le bœuf du cas. Ouais, du cas. Mais pain, c'est mort. Okay. Tu veux un coup de main? Non, moi j'arrête, c'est bon. Par toi, tu veux m'aider? Alors, moi, je fais une pause d'abord. Après, je vais essayer de taper ça, mais ça va être chaud. Juste, je vais passer une bonne soirée, le 14 juillet. Enfin, pas chez moi après, hein. Tranquille. Putain, même juste ouais, cette partie-là, déjà, c'est, t'as l'impression que c'est super long. Un steak entier. Alors, il y a une petite révélation en live là. Normalement, je filmais pas. Il a retiré le deuxième étage de viande dans le pain. Il a fait ça, il y a tellement que je le termine. Par contre, tout le pain, c'est mort. Ah, le pain, c'est mort. Ah, c'est une éponge. Ah, ouais, le ménage. Voilà. En gros, c'est éponge. Tiens, je peux éponger ton front avec si tu veux. On est sûr. Là. On respire un peu, la chaud. Bon, on va manger ça là. C'est bien fat. On a bonne food porn là. N'empêche, le pain il est bon. Je pas dire, il est bon. C'est pas qu'il est mauvais, non, mais c'est qu'il est bon. C'est juste que. C'est énorme quoi. Imagine un petit burger classique, le peu de pain qu'il y a. Là, le pain en général ça bourre pour un petit burger, le Benz. Mais là, il est en version. Je sais pas si c'est XXL là, c'est XXXX. Ouais, mais surtout qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup plus épais en fait. C'est trop épais, ouais. N'empêche, le fait de devoir manger, ça me donne faim. En fait, je comprends pourquoi en commentaire on me dit ouais, quand je vois tes vidéos à 1h du match, j'ai faim. Bah, ouais, je comprends mieux. Vous avez raison, les abonnés. Franchement. D'ailleurs, pensez à liker. Pouce noir. C'est pas un pouce bleu, c'est un pouce noir. Pareil, hein, sur Snapchat, Instagram, suivez-moi. Bientôt, je vais faire un défi sur le poteau. Il a un restaurant, Nakano, Paris 20ème. C'est un restaurant japonais, formule la volonté. J'y vais souvent, honnêtement. Je kiffe. Ceux qui me voyaient en Snap, ils le savent. Et bientôt en septembre, il va le refaire avec une nouvelle carte. Ça va être lourd, très lourd, on va filmer ça. On va faire du sale, l'événement, challenge, genre en mode compétition. 4 concurrents, voire 5, 100 sushis chacun, qui va réussir à manger le plus. Ça pourrait être drôle, en mode hot dog quoi, américain. Mais là, je commence à digérer, je commence à avoir faim maintenant. Non, reste raisonnable. Après, une soirée. Tranquille. Alors à votre avis, a-t-il fini le quart qu'il avait dit, le quart de viande? Suspense. Et bah non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est dur hein? Ouais, c'est dur. Bah déjà il y avait le petit burger où j'ai eu le temps de digérer. Ouais mais là il y avait que le pain à manger, que de la viande seulement. Et là le quart bah il est intact mais sans viande. C'est même ça. Même t'as ça au restaurant, arnaque, tu prends un burger, t'as rien dedans. Pas de viande. Là, du pain et de la sauce aussi. Non mais bon, franchement, j'évite un petit peu de suer, mais pour moi c'est pas facile. Hein. Ah, il est dur. Pas si tu as la vidéo. Là vous vous rendez pas compte en vidéo. Franchement, vous voyez en vrai, les gens derrière sont choqués. Au moment, allez, franchement, le moment 15 sont venus me prendre en snap pour en photo. C'est quoi ça? T'es où? Comment tu fais? Enfin, c'est quoi? Voilà. Mais en tout cas, merci à Jam hein, pour la position. Mais il m'a eu le petit coquin là. Il m'a dit ouais, t'inquiète pas, il y aura pas trop de pain. Bah là, en l'occurrence, le pain. Mais moi, n'empêche du coup, le fait de t'en manger, je vais continuer un petit peu. Ouais. Je vais manger un peu la viande là. Vas-y. Dessert, et après, bah, je vais m'arrêter. Ça sert à rien. Merci. Bah, si vous voulez, mais il y a plus grand-chose. Sans rien. Merci. Donc, ta partie là, je vais sur ce côté. Ouais, t'as fait celui-là. Pas sur le pain. Sur le pain là. Et j'ai que du pain. Je mets là. Je crois que je vais prendre sur moi. Ouais, c'est sec. Il y a des secs de ouf maintenant. Ouais, le pain a durci, il est sec. Vous me voyez? Vous ne voyez plus. Vous voyez?
Girl, get used to it, yeah. Saying you a freak, a leak, right? I wanna see if there's some truth to it. I'ma make you run away from it. You run away, but you never stay away from it. Bon, j'en ai marre. Vraiment marre. Bon, je vais manger la moitié plus la moitié d'un quart. Plus de la moitié d'un quart. Il y a un burger déjà. On va faire le fou avec, on sait jamais s'ils vont nous reconditionner. Hein. De l'air, hein, je sais pas, un sans-abri, SDF, c'est possible d'ailleurs. Il y a de la viande, il y a un peu de pain, un peu beaucoup de pain. Soit il n'y a plus de plaisir, on se passe pas, ça sert à rien. Soit régalé, c'est très bon, mais là, j'en ai marre. J'ai envie d'un truc sucré, une glace, chaud, transpire, une glace, de l'artifice, bowling, je vais me racler là, je vais au moins 15 strikes, 15 c'est pas possible. Bah, c'est 10. Si tu te mets à la place de la boule, il n'y a peut-être rien. J'avoue, si je remplace la boule, je me mets en boule et je le roule, je ne crois pas ça normalement. Ouais, il y a beaucoup moyen. Ouais, on verra. Bon allez, c'est dans le YouTube là. En fait là, on a la révélation, ça y est. Bon alors, ce qui reste. Hein. Révélation, il y avait un steak de 180 grammes. Faites le calcul, ça fait 3,6 kg de viande. De viande seulement. Alors, imaginez ouais. Le pain. Imaginez le pain était fait par un boulanger hier, la veille. Au bout de la dimension, forcément, il faut 3 pains énormes. Donc comme on disait, hein, en mode éponge par pain, un truc énorme. Donc 3,6 kg de viande plus, je sais pas comment il fait le pain, peut-être le pareil, hein, 3,6 kg, parce que vu le poids qu'il faisait, ça m'étonnerait pas qu'il en faisait au moins 8, 9, voire 10 kg. Ça, je peux pas être sûr, pas vous certifier à 100%, mais franchement, c'est. Je pense que j'ai jamais mangé aussi gros et aussi lourd. En tout cas, comme je disais à Jam, c'était très bon. Franchement, bah, la recette était travaillée. Pour l'été en plus, ça va l'été, la cerise qui se marie bien avec le parmesan, avec. La viande Black Angus, le cheddar raffiné, le pain au charbon végétal, lourd. Mais bon, lourd à faire une fois. Lourd en plusieurs lourd. Jours. Mais lourd dans tous les sens. Dans tous les sens, voilà. Lourd, fat, bon, mais lourd. Voilà. Et le poteau, il a été lourd aussi. Franchement, ah. il a bien géré. J'ai vu la taille du truc, c'est déjà. J'ai fait au mieux, j'aurais pu manger plus, comme je vous ai dit. Mais ça sert à quoi en fait? Là, j'en ai marre. Là, si je mange plus, c'est je me force. Et comme je vous ai dit à chaque vidéo, ne vous forcez pas, vous allez vous rendre malade, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas digérer, vous n'allez pas apprécier. Plaisir avant tout, arrêtez-vous quand vous pouvez. Vous en avez marre, vous arrêtez. Bon. Là, moi en l'occurrence, je prends un petit dessert dehors. Un smoothie ou un milkshake, je ne sais pas. Et voilà, c'est une bonne soirée. Bon, ça y est, on sort du Black and White Burger. Marche digestive avant de faire le bowling là. Ah ouais. Une bonne marche, parce que putain. Putain, est-ce que les abdos là oh. Six pack, one pack, ah non, ça va. Franchement, c'était lourd, mais c'était lourd. C'était lourd, mais c'est. Oh, regarde, il y a des pizzas! Vas-y! Je m'en prends pour ça, hein. T'as pas aimé qu'il fait dégoûter des pizzas? Non. Petit dessert? Je pourrais pas là, c'est. À part un granita! Ouais, moi ce smoothie ça fallait bien là. C'est pas une blague, hein. Tu as goûté une part? C'est bon, j'ai assez mangé là. J'ai mangé un burger, le. T'as eu le plateau là. C'est bon, merci, hein. Courage! Putain! Je bouge une part en plus. Et drôle. Bon voilà, Black and White Burger, 31 rue Sani à Paris 1er, le restaurant de Jerry Bra TV. Franchement les gars, continuez ainsi. Surprise, il y a des nouvelles recettes. J'étais pas habitué à. Enfin il n'y a pas ça en janvier. Nouvelles recettes, des nouveaux goûts, nouvelles saveurs. Il y a plus de goûts en smoothie aussi, plus de choix, plus de parfums. Pareil pour les milkshakes. Donc très lourd, super. Par rapport au prix, pour un burger classique, c'est entre 7,90 et 9,90. Sans frites et boissons, bien sûr. Mais pour la qualité, viande halal et Black Angus, franchement, ça vaut le coup. Et puis c'est bon en plus. Donc allez-y, vous allez kiffer. Pour ma part, le défi là, je sais pas, j'ai senti dans ton look qu'ils allaient me. J'ai dû aller plus vidéo. Hein. Que là, je suis pas préparé, mais je savais très bien qu'il allait me mettre un truc comme ça. Un truc balèze et tout.
Bon, demain on reprend la diète, hein. On arrête les conneries là, à part là quoi. Quoique demain c'est la finale, je pense qu'il y aura forcément une petite victoire. Il y aura l'apéritif, les pizzas et tout. Non. Diète lundi, c'est mieux. Voilà. En tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, like et commenter, partager un maximum. Dites-moi en commentaire avec d'autres défis du genre, des restaurants testés, des défis, ce que vous voulez. Suivez-moi également sur Snapchat, Instagram et Facebook, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Les amis, hein, c'est pas une blague, hein, je l'ai dit. Hein. Après un gros défi en mode Burger Monster de History Brat TV Jam, direction le bowling. Et moi, je suis bien, je suis léger. C'est parti. Après toute théorie ingurgitée, attends, il va falloir un peu dépenser là. On a le swag. Bon bah, on va attendre. Hein. Normalement, vu l'énergie que j'ai, on va gagner. Sauf que, j'ai joué une fois dans ma vie, une seule fois. Donc, on va voir. Bon allez, cette fois, je vous laisse enfin tranquille, prendre la vidéo, liker. Regardez les pouces bleus à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et promis, s'il y a au moins, allez, je sais pas, s'il y a 10 000 pouces bleus, je retourne chez Ibra TV. Cette fois, je prends ma revanche. Mais je vais faire un truc sale, vraiment sale. Je compte sur vous. On s'abonne, les pouces bleus, et puis, vengeance. Sur ce, ciao!